De Radio Bonne Nouvelle. Nous sommes ravis de savoir que vous êtes si nombreux à l'écoute de votre émission. Ici, c'est la continuité de notre étude biblique sur les pratiques et rites attachées à nos traditions dans la région Bamileke. Nous avons donc décidé de faire une étude biblique pour essayer d'aborder certains points obscurs des pratiques que nous constatons dans nos traditions et coutumes. Alors ce programme, avant toute chose, je voudrais soutenir et vous dire qu'il est préparé par nos bien-aimés, les bien-aimés frères du côté des États-Unis, New Beginning Ministry. Ici en studio, nous sommes à Radio Bonne Nouvelle, je suis votre serviteur Jean Kowa au microphone. Et à la partie technique, c'est notre bien-aimé Elvis Obassé, le technicien en chef. Nous allons donc aujourd'hui, après que nous ayons parlé pendant longtemps sur le thème le veuvage et les pratiques qui sont attachées à ce veuvage, nous évoluons à une autre situation, je veux dire à un autre thème qui nous préoccupe un peu. Les mythes et pratiques attachés à la naissance des jumeaux chez les Bamileke. Nous savons tous que la naissance des jumeaux dans notre contrée suscite toujours une attention particulière. Pourquoi Parce que nos pères ont attaché à la naissance des jumeaux un mystère lequel nous allons essayer d'en parler. Tant bien que nous le pouvons. Qu'est-ce qu'on appelle dans les jumeaux? Les jumeaux, c'est des enfants qui naissent à la fois à deux ou à trois. Dans certains cas, on nous a parlé même de quatre. Tous sont appelés des jumeaux. Ils viennent en doublé, triplé, quadruplé selon que le Seigneur Dieu sur son trône a décidé de faire. Eh bien, nous allons donc comprendre que les jumeaux ne sont pas un phénomène mystérieux, comme nos parents veulent nous faire croire, comme la société qui nous a accueillis veut nous faire croire. En effet, nous allons lire un texte dans la Bible. Un texte qui nous parle des jumeaux. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 25. Nous lisons à partir du verset 20 au verset 26. Écoutons ce qui y est écrit. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban. L'Araméen, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil. On lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Mes frères et sœurs, voici le texte qui nous ramène à la Bible. Ceci pourquoi pour nous montrer que les jumeaux sont de Dieu. Les jumeaux ne sont pas un phénomène de la nature, ni un mystère, mais les jumeaux sont des enfants communs, n'importe lesquels. La science nous a montré que la naissance des jumeaux vient d'une ovule qui s'est divisée à la fécondation. Et ce n'est que très normal que lorsque une ovule fécondée dans le sein d'une femme fasse croître deux bébés ou trois bébés ou quatre. C'est ce que la science nous dit. Mais nous devons donc comprendre ici que les deux enfants qui viennent au monde, de la même manière que les deux enfants de Isaac, sont d'abord un don de Dieu. Ils sont un don de Dieu parce que Isaac, prenons son cas, avait prié pour que Dieu lui accorde des enfants parce que sa femme était stérile. Et Dieu l'a exaucé. Ainsi, sa femme a conçu et voilà, elle a enfanté à la fois deux enfants. Nous devons donc comprendre. En même temps que les jumeaux sont connus de Dieu, leur destinée est déjà établie par Dieu. Voyons le cas de ces deux enfants, Esaü et Jacob. Le Seigneur lui-même a pris soin de rappeler à leur maman que ces deux enfants sont tels que un d'entre eux sera plus grand que l'autre. Et c'est le plus petit qui va dominer sur le plus grand. Ceci veut nous dire que, avant que les jumeaux n'arrivent parmi nous, Dieu a déjà arrêté quelque chose pour leur destinée. Ce n'est pas à nous de transcrire une destinée pour eux, avec nos pratiques et tout ce que nous savons. Nous devons déjà noter que d'après les déclarations de la Bible qui dit, le premier sera assujetti au dernier. Cela veut dire qu'en cas de naissance des jumeaux, il y a toujours un qui est le premier. Et ce premier, c'est celui qui naît avant l'autre. Même si la différence de temps c'est même quelques minutes ou quelques secondes. Ça, c'est quelque chose de loyal à laquelle Dieu lui-même tient de savoir que deux personnes qui naissent d'une même maman, il y a une différence de temps qui marque le premier et le deuxième. Ça veut dire, toutes les fois que Dieu fait des hommes, celui qui vient, en premier lieu mérite un honneur chez nous les bamileke on attribue aux jumeaux un pouvoir surnaturel et même extraordinaire on nous fait croire que les jumeaux ne sont pas des enfants comme les autres ils naissent avec un pouvoir surnaturel est-ce que c'est vrai nous le saurons plus tard ceci étant Beaucoup de dispositions sont prises dans nos familles et villages à la naissance des jumeaux. Et parlant de toutes ces dispositions, nous allons noter que certaines de ces dispositions sont des bonnes dispositions. Et d'autres dispositions attachées à la naissance des jumeaux suscitent des réserves pour un croyant fidèle au Dieu de la Bible. Je dis bien, certaines de ces dispositions suscitent des réserves. Pour un croyant fidèle au Dieu de la Bible. C'est-à-dire, certaines choses qu'on fait ou manifeste à la naissance des jumeaux doivent être soumises à un regard très très attentionné du croyant afin de ne pas sombrer dans une duperie oui, dans la tromperie du diable. Plus tard, nous allons toucher quelques points obscurs dans les pratiques douteuses qui s'attachent à la naissance des jumeaux. Nous y reviendrons certainement quand il sera question de parler point par point concernant ce qui est attaché à la vie des jumeaux. Pour le moment, nous nous intéressons à leur arrivée au monde, à leur naissance. Nous allons constater que dans nos familles, dans nos villages et tribus, la naissance des jumeaux suscite à la fois la joie et l'angoisse dans la vie des parents. L'angoisse à cause des lois et restrictions auxquelles les parents seront soumis forcément. Dès les premiers instants, une sorte de louange est adressée aux enfants nouveau-nés. Et les enfants sont très vite attachés à un couple parrain, eux aussi parents des jumeaux. Ceci, c'est à dessein, parce que nos parents prévoient que c'est ce couple parrain qui doit parrainer toutes les activités bonnes et obscures qui doivent suivre la naissance de ces jumeaux. Pour chaque rite. Pour chaque pratique ou chaque initiation, c'est ce couple qui prend l'avance. Souvent, pour initier même les parents d'un jumeau nouveau-né. Et à la naissance, on donne aux enfants nouveau-nés un nom qui est attaché à celui d'un roi ou d'une reine. À ce nom-là, il y a des éloges particuliers que chaque personne qui rencontre ses enfants doit leur adresser. Et personne ne doit faillir. Nous entendons souvent, on leur donne le nom de Faux, qui veut dire roi, sofo qui veut dire ami du roi, Mefo, qui veut dire reine, nomgan, qui veut dire animal qui suscite la terreur. Nous parlerons des effets psychologiques et spirituels de cette pratique plus tard. La louange, les noms des rois, des reines qu'on donne aux enfants, en réalité, ça produit dans la vie de ces enfants des effets psychologiques et spirituels plus tard. Nous en parlerons. Toujours dans les premiers jours, il est interdit d'approcher les jumeaux, les mains vides. En l'occurrence, il y a un fruit qu'on appelle le jujube, c'est-à-dire le djindjim. Dans notre appellation traditionnelle, il faut entrer auprès des jumeaux avec les jujubes ou un don particulier. Nous allons dire que le jujube est le fruit phare. Mâcher et cracher sur eux de peur de provoquer leur colère. Ou bien d'attirer leur malédiction, car dit-on, ils ont le pouvoir d'hypnotiser qui ils veulent. On met aux cheveux de leur lit ou à l'entrée de la maison un panier où tous les visiteurs déposent le jujube et où les dons. Souvent on nous dit qu'au lieu de ne pas apporter un don, il vaut mieux ne pas les visiter. C'est encore les bébés dans le berceau. Nous voulons poser la question, d'après ce que nous enseignent nos coutumes et traditions, est-ce que c'est vrai que le jujube a le pouvoir de calmer la colère des enfants jumeaux On y a attaché tellement d'importance que cette affaire de jujube est devenue un fruit mystérieux lui aussi à son tour. Pourtant, le jujube n'est qu'un fruit. Comme tous les autres. Permettez que je vous parle de mes recherches personnelles. Il s'est avéré que j'ai croisé une vérité qui peut être acceptée et je voudrais partager avec nous au sujet des jujubes. Comment est-ce que le jujube est entré dans la vie des jumeaux? Il s'avère que dans les temps anciens, lorsque une femme mettait au monde deux enfants, étant donné qu'elle ne peut pas téter deux enfants à la fois, la sagesse de nos pères avait choisi le fruit du jujube. Pourquoi Parce que c'est un fruit qui est sucré à l'extrême. Chaque fois que l'enfant pleure et que la maman ne peut pas téter deux enfants, pendant que l'un tète, on donne le jujube à l'autre. La sucrerie intense de ce produit devait naturellement amener l'enfant à s'intéresser au fruit qui est dans sa bouche et comme ça va sucrer longtemps, la maman aura le temps de téter l'un avant de prendre l'autre. Cette pratique était porteuse pour essayer de contenir les jumeaux. Mais plus tard, L'ignorance a amené les gens à croire que c'est parce que le jujube a un pouvoir pour calmer la colère des jumeaux. Il s'agit.